Why do we race? Is it to prove how fast we are? How far we can go? Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? Stronger to become immortal. In truth, there is no simple answer to why we race. There is only the fact that we always will. Bonjour ou bonsoir amis gamers et soyez la bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à la démo de Forza Motorsport 6. À 2 semaines de sa sortie, vous pouvez d'ores et déjà télécharger puis jouer à la démo de Forza Motorsport 6 sur votre Xbox One, ce qui va être l'occasion de voir ce qu'il se cache sous le capot de ce nouvel opus. Forza 6 constitue un des événements majeurs du calendrier en cette fin 2015, et pour cause, la licence campe sur le trône des simulations de course depuis quelques années déjà. Le bijou des studios Tandis fête ses 10 ans et s'assure d'un succès à chaque sortie tant il est estimé par la communauté des joueurs. Project Cars ces derniers temps est venu revendiquer une place dans la hiérarchie et même s'il n'a pas convaincu tous les possesseurs de la Xbox One, il contraint la licence Forza à ne pas se reposer sur ses lauriers. Sur le tableau, Forza 6 devrait s'afficher à près de 450 véhicules et pas moins de 26 circuits, ce qui représente à peu près le double de son prédécesseur. Esthétiquement parfait, Forza Motorsport 6 tourne en 1080p, 60 frames par seconde, sans chute de framerate, ce qui favorise une immersion sans accroc et des sensations garanties. Pour des raisons de capture, la vidéo a été un petit peu faussée et ne tourne qu'en 30 fps, donc je vous invite à l'essayer de vous-même. En toute logique, nous retrouvons différentes caméras qui s'adaptent aux joueurs selon ses désirs. Une simple pression sur le bouton Select vous permet de changer de vue, en passant par l'intérieur du cockpit, vers la vue classique derrière la voiture, ou en passant par la vue habituelle du pare-choc, ou tout simplement par le plaisir de se frotter à l'asphalte, ce qui fait ressentir des sensations comme jamais. Évidemment, les sensations et les difficultés changent selon la caméra choisie. Bien entendu, les puristes sont heureux de savoir qu'ils peuvent personnaliser les réglages de leur voiture de façon très pointue. Ainsi, les plus compétitifs pourront désactiver les fonctions automatiques, l'aide du tracé et demander un niveau de difficulté plus élevé. Quant aux novices, ils pourront à l'inverse s'appuyer sur l'option rembobiner qui permet de revenir en arrière après une sortie de piste et envisager plus aisément une courbe. Tout ça en appuyant sur le bouton Y de votre manette. Les nouvelles conditions météo représentent les grandes nouveautés du titre. Et pas que. Afin de conserver un maximum de réalisme au niveau des sensations, les particularités de la conduite sous la pluie ont été testées et analysées. Les averses changent réellement la conduite et appellent à être vigilant. Le phénomène d'aquaplaning peut se montrer fatal et pour vos ambitions en supprimant toute adhérence à la route. La perte du contrôle du bolide devient si inévitable qu'elle était inattendue. Enfin, l'eau soulevée par la vitesse des véhicules qui vous dépasse n'a pas été oubliée par l'équipe de Tandis. Autre nouveauté, les courses de nuit font également leur apparition, et vous apprécierez de faire chauffer l'asphalte du circuit du Mans de nuit entre autres. Le travail a encore été effectué d'une main de maître, tant la variation est nette entre les zones éclairées et les zones plus sombres. Les réflexes et les repères s'avèrent différents des conditions habituelles, mais conduire de nuit reste plus facile que sous la pluie. Le wheel spin, apparu dans Forza Horizon 2, est une sorte de loterie qui fait également son retour dans le jeu. Elle s'effectue à chaque fois une fois que vous montez de niveau et vous permet de gagner des prix plus ou moins attrayants, que en passant par des crédits, des achats de mode ou bien des gros lots comme gagner une voiture.
Un tirage au sort aléatoire provoquera chez le joueur la satisfaction d'avoir tiré le gros lot qui se situe au milieu de la sélection ou la déception de l'avoir manqué. Précédemment dit, l'ajout de mode fait également son apparition. Ceci permet d'obtenir des bonus temporaires à votre caisse ou permanentes. Il faudra faire donc preuve de stratégie pour optimiser la meilleure mode possible. Il est bien connu que les IA constituent une grande faiblesse pour de nombreuses simulations de courses, parfois très décevantes ou encore plutôt réalistes. Celle de Forza 6 est encore à parfaire, mais reste convenable. Du coup, vous ne pensez pas que vous serez seul à foncer dans le tas pour vous frayer un chemin, détrompez-vous. Elle ne maîtrise pas encore notre astuce à tous, c'est-à-dire celle qui consiste à se servir de concurrent pour amortir nos trajectoires dans certains virages et avoir plus de chances de le dépasser par la suite. De plus, il lui advient régulièrement de sortir de piste, ce qui n'est pas sympa du tout quand nous nous servons d'elle comme point de repère pour certains virages. Mais ce qui amène à un autre point bien spécifique de Forza, la gestion de collision. Le choc contre une autre voiture fait réellement perdre le contrôle du véhicule pendant un laps de temps. Vous ne pouvez bousculer un adversaire sans conséquence sur votre conduite, et vous feriez un chemin sans une certaine adresse. Les dégâts sur la carrosserie des voitures sont visibles à l'œil nu, et ce, en pleine course. En conclusion, Tandis n'a pas fait les choses à la moitié, que ce soit en termes d'esthétisme, de contenu, de sensation ou de réalisme pour Forza Motorsport 6. Si vous êtes amateur de courses automobiles et de jeux vidéo, ce nouveau Forza constitue la simulation ultime pour vous occuper pendant de longues heures. Et le petit plus, si vous possédez un volant avec pédale, cela vous immerge encore plus dans le jeu. Forza Motorsport 6 sortira vers mi-septembre et ce n'est à manquer sous aucun prétexte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour éventuellement des futurs tests de temps en temps sur la chaîne qui change un peu des vidéos What the Fuck. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à essayer la démo, à la télécharger, jouer et de vous faire votre propre avis et de voir les réelles sensations de conduite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! It's a funky one.